Les vacances sont finies. On est parti pour une cinquième année de vidéo à l'agence Régine Ville du Immobilier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous présenter une super petite maison à Tours-la-Ville. On a le diagnostiqueur qui va nous parler de l'actualité du moment. Et à la fin, on fera un tour du quartier. Nous voici dans le quartier où se trouve la maison. On est dans un endroit super calme. La maison, elle se trouve juste derrière moi. On est sur une petite maison à un petit prix avec un extérieur. On retrouve deux chambres, un bureau, une pièce de vie, une cuisine. Enfin, c'est pour moi la maison idéale pour un jeune couple qui veut faire son premier investissement ou tout simplement un investisseur qui cherche une maison à louer. Je vous propose de la découvrir. Bonjour, Gaëtan Saint-Dizier, société Jack 50, diagnostiqueur dans le Cotentin depuis 2006. Cette année, vous le savez, un nouveau DPE a été mis en place, plus précis, plus ludique, plus accessible. Il vous informe beaucoup mieux. Ceci dit, dans l'actualité aujourd'hui, des anomalies sont remontées sur les DPE, sur les constructions d'avant 1975. L'État travaille actuellement sur une mise à jour et nous a promis une réactualisation début novembre. Pour les DPE F et G, les diagnostiqueurs remettront à jour ces DPE. Si vous êtes en D ou en E, contactez votre diagnostiqueur pour éventuellement remettre ce diagnostic à jour. Je vous retrouve ici à 5 minutes à peine de la maison. On est à la place de Tours-la-Ville. C'est ici que ça vit. C'est là que vous retrouverez les commerces de proximité. On a un boulanger, on a une petite cave à vin, fromage. On retrouve tout ici. À quelques minutes également de la maison, on peut retrouver la primaire, la maternelle et un collège. On a tout ce qu'il faut pour vivre si on a des enfants dans ce quartier. Si vous avez aimé cette maison, si vous avez un ami, quelqu'un de la famille à qui vous pensez pour ce bien, n'hésitez pas à l'identifier dans les commentaires, à lui partager cette publication. Et vous pouvez la retrouver également sur notre site internet. À bientôt !